Bonsoir à tous. Je suis Richard Vassakos, président de la PHEG Languedoc-Roussillon. Et je suis très heureux de voir cette affluence pour cette conférence de ce soir. Alors, quelques mots sur l'association pour vous dire que la PHEG est une association plus que centenaire, mais pas composée de centenaires pour le coup, qui s'est fixée pour mission de promouvoir et de défendre l'histoire et la géographie dans l'enseignement scolaire en France. Et parmi ces missions, ces statuts, il y a une mission de formation continue. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, nous organisons des conférences qui sont en relation avec le programme, et c'est le cas ce soir, puisque c'est en relation avec le programme de spécialité de terminale, afin que les collègues puissent se documenter, se mettre à niveau et puissent construire leurs cours. Donc voilà, on essaie de venir au plus près, et je suis aussi très très heureux de cette manifestation à Montpellier, car ça fait plusieurs années que nous essayons d'investir la ville centre, l'ancienne capitale. Et là, nous avons une cellule, deux membres, Dalila Chalabi, Stéphane Dupont, qui sont très actifs, qui ont investi cette mission tout à fait avec vigueur, et qui ont organisé une conférence sur Donald Trump la semaine dernière au Gazette Café, le 3 octobre, et ce soir donc sur Versailles. Et donc je les en remercie vraiment très chaleureusement de leur investissement et de ce travail vraiment très très important. Je voudrais remercier également très chaleureusement Fabien Permane d'être venu jusqu'à nous et de nous offrir cette conférence ce soir. Vraiment, c'est un remerciement très très sincère, car c'est un besoin qui est exprimé par de nombreux collègues de pouvoir construire ces nouvelles séquences sur la spécialité, sur des questions qui ne sont pas forcément vues depuis très longtemps, depuis l'université. Vous dire un dernier mot très mercantile, c'est que l'association ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement, et que nous avons besoin d'adhérents. Donc si certains veulent s'investir, comme Dalila et Stéphane, c'est avec grand plaisir que nous accueillerons sur Montpellier ou ailleurs. Et que également vous pouvez soutenir l'association à travers une adhésion ou à travers un abonnement dans la revue Historien et Géographe qui transmet des connaissances, l'actualité de la discipline, des comptes rendus. Donc c'est une revue très riche pour laquelle vous pouvez vous abonner individuellement ou faire abonner votre CDI. Ça paraît pas grand-chose, mais nous ça soutient très très fortement notre association. Et donc je vous en remercie par avance. Je vais céder le micro à Dalila, qui a été le conférencier ce soir. Richard, bonsoir à tous. Dalila Chalabi, professeure d'histoire-géographie au collège Via Domitia à Manduel et membre de la PHG Languedoc-Roussillon. Donc, le patrimoine culturel est à l'honneur ce soir, à travers ses usages et les enjeux politiques qui en découlent, une trace importante de l'histoire de notre société. L'exemple du château de Versailles permet d'aborder le patrimoine à des fins politiques et d'asseoir une légitimité du pouvoir. Il reste dans l'imaginaire collectif rattaché à la période de l'Ancien Régime. Pourtant, les régimes politiques qui ont succédé à la Révolution française ont tous interagi avec l'ancienne demeure royale pour en faire un objet politique inédit, un musée dédié à l'instruction du peuple, une résidence officielle, un outil diplomatique, un conservatoire de l'art des XVIIe et XVIIIe siècles, le lieu de grands événements de l'histoire, à l'instar de la signature du traité de 1919. Mais l'histoire du château de Versailles ne s'arrête pas en 1789 et témoigne des enjeux patrimoniaux et politiques rattachés à ce qui symbolise le pouvoir monarchique. Et comme l'a dit tout à l'heure Richard, cette question figure au programme de terminale, spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Donc nous avons le plaisir de recevoir et d'accueillir ce soir Fabien Opperman, qui est inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale, en charge notamment de l'histoire des arts, ancien élève de l'École nationale des chartes et de l'Institut national du patrimoine. Il a consacré ses travaux de recherche à l'histoire du château de Versailles au XIXe et XXe siècle et a publié de nombreux articles et ouvrages sur le sujet, dont « Le Versailles des présidents » et « Dans les châteaux de la République ». Donc je vous laisse la parole, M. Opperman, en vous remerciant d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Je me permets d'enlever le masque, je suis un peu loin, donc normalement ça devrait aller. Ça vous va? Sinon je le remets. Hein.
Je prends le micro. Comment ça fonctionne ? Vous m'entendez ? Alors bonjour à tous. Dalila a tout dit, hein, donc voilà, c'est un très beau sujet. Un sujet qui va normalement intéresser ceux qui sont enseignants en spécialité AGGSP au lycée cette année et puis les années suivantes. Donc je suis inspecteur général, je ne suis pas inspecteur général en histoire, donc je précise, ça n'est pas moi qui ai fait les programmes d'histoire-géographie, donc ce sont d'autres personnes qui se sont dit tiens c'est intéressant, et en plus on a un type à l'inspection générale qui a travaillé sur le sujet. Mais c'est pas moi, hein, j'ai pas fait ça pour vendre mon livre, n'hésitez pas à l'acheter quand même, Le Versailles des présidents, parce qu'on est vraiment dans ce thème HGGSP. Alors, je suis très heureux d'être à Montpellier pour parler de ce sujet, très heureux d'avoir pu répondre à l'invitation de la PHG, très heureux, ému et un peu stressé, je me dis, parce que je parle devant un de mes anciens professeurs, donc ça m'émeut beaucoup de le voir ici. Je vais essayer donc de ne pas trop dire de bêtises, mais il n'était pas prof d'histoire, donc ça devrait aller. Mais il m'a déjà beaucoup entendu dire des bêtises il y a bien longtemps. Donc je vais essayer d'être le plus sage possible. Comment on fait habituellement? Je parle, puis il y a des questions après, ou on intervient au milieu? Vous faites vos présentations. Je fais ma présentation. Ok. Il y aura une phase de questions. Ok. L'idée, n'hésitez pas à garder vos questions, poser des questions, y réfléchir, hein, pour que je puisse y répondre, du moins essayer d'y répondre. Alors, le château de Versailles est très connu, évidemment. C'est un site et un lieu qui est connu. Alors, voilà, oui, je vous ai remis la référence, hein, du programme AGGSP. Le château de Versailles, c'est un site qui est connu mondialement, mais il n'est pas forcément connu pour les raisons dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire son histoire post-révolutionnaire. Lorsqu'on parle du château de Versailles, c'est évidemment Louis XIV, c'est Marie-Antoinette, et les touristes, les nombreux touristes, hein, à peu près 5 millions de visiteurs annuels qui viennent au château de Versailles, viennent avant tout pour trouver Louis XIV et Marie-Antoinette, en étant généralement persuadés qu'ils sont mariés. Et les touristes chinois, japonais, qui viennent à Versailles, viennent chercher Louis XIV, viennent chercher Marie-Antoinette, viennent chercher ce fameux couple royal. On verra par la suite que ce n'est pas tout à fait ce que Versailles leur propose aujourd'hui. Alors, on ne leur propose pas le couple Louis XIV-Marie-Antoinette, ça c'est certain, mais on ne leur propose pas ou plus forcément Louis XIV. Alors, vous connaissez le château de Versailles, j'imagine. Ah oui, il faut que je fasse attention à l'ombre. Un château construit essentiellement au XVIIe, XVIIIe siècle. On commence par le château Louis XIII qui est ici en rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Et puis ensuite, l'enveloppe petit à petit construite par Louis XIV, enfin à la demande de Louis XIV. Donc on enserre le château de son père Louis XIII. Puis ensuite, on va construire les ailes du Midi et les ailes du Nord. Le gros de l'architecture est terminé à la fin du règne de Louis XIV. Je dis bien le gros de l'architecture. Il y aura ensuite au XVIIIe siècle des aménagements essentiellement intérieurs et un petit peu de façadisme ici sur l'aile Gabriel ici et donc évidemment la construction de l'opéra Louis XV. Le rez-de-chaussée actuellement, hein, le premier étage avec la galerie des glaces au milieu et juste en dessous la chambre du roi. Et voilà l'état dans lequel aurait pu se présenter le château de Versailles à la fin du XVIIIe siècle. Vous savez que Louis XV puis Louis XVI ont eu un grand projet de détruire, de reconstruire toutes les façades du château, et seule cette aile ici, donc l'aile Gabriel, a été réalisée. Mais en réalité, c'est l'ensemble du château qui devait être concerné par, on va dire, cette nouvelle architecture néoclassique promue par l'architecte Ange-Jacques Gabriel. Alors, 6 octobre 1789, Louis XVI et sa famille quittent le château de Versailles. Louis XVI dit à son ministre de la guerre: « Vous restez le maître ici, tâchez de sauver mon pauvre Versailles. » Ce qui signifie une chose, c'est que Louis XVI sait pertinemment bien qu'il ne reviendra pas
à Versailles après 1789. En réalité, le château, on ne sait pas trop quoi en faire de 1789 à 1792. Il y a des travaux d'entretien, voire de restauration qui sont menés, mais on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Les révolutionnaires les plus virulents, dont le père de Eugène Delacroix, Charles Delacroix, eux sont pour la destruction du château. Charles Delacroix dit même « il faut faire passer ici la charrue ». Donc il y a vraiment l'idée, dès 1789, du symbole, évidemment, monarchique. Mais le vrai tournant, c'est 1792, avec la chute de la monarchie, et deux mois plus tard, le vote par les députés du mobilier garnissant l'ensemble des demeures royales. Ce qui va caractériser le château de Versailles dans cette opération de vente du mobilier royal, qui a lieu donc pendant, je crois, presque un an, du 25 août 1793 au 11 août 1794, c'est que la quasi-totalité du mobilier de Versailles a été vendue. Ce qui n'est pas le cas des autres résidences, Fontainebleau, Marly, Saint-Cloud. On a beaucoup moins vendu dans les autres résidences qu'à Versailles. Seules quelques pièces ont échappé à la vente, celles qui avaient été envoyées aux Tuileries après 1789, parce que quand le roi, enfin, vous le savez, quand Louis XVI, Marie-Antoinette et la famille arrivent aux Tuileries en octobre 1789, c'est un château vide, donc en vitesse on fait rapatrier quelques éléments de mobilier, et puis on va quand même sauvegarder quelques pièces jugées les plus précieuses et qui vont être mises au garde-meuble de la couronne. En réalité, aucun souverain après 1789 ne va songer réellement à s'installer au château de Versailles. Dans un premier temps, après 1793, et ça c'est important, même si c'est anecdotique, mais dans l'image qu'avait le château de Versailles, et quand on connaît la suite de l'histoire, cette anecdote est importante, on va y installer un musée. Dès 1793, le 24 novembre 1793, on crée un musée spécial de l'école française et on fait venir à Versailles des peintures des 17e et 18e siècles présentées dans le château, dans le grand appartement du roi, donc côté Elnor. Ah, je ne peux pas aller en arrière. Si, je peux aller en arrière. Hop là. Donc, dans toutes ces pièces ici, hein, on va présenter une sorte de musée spécial de l'école française. C'est un musée qui est destiné à faire pendant au musée du Louvre, qui, lui, présente les beaux-arts, l'art de l'ensemble du monde, on va dire essentiellement de l'Europe, donc, à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle. C'est un musée qui n'a aucun succès, personne n'y vient, on a autre chose à faire, et au bout de 4 ans, évidemment, ce musée ferme. Napoléon a songé s'installer à Versailles. Il a même fait des travaux relativement chers à Versailles. Et Napoléon écrit, alors je crois que c'est une fois à c'est avant Sainte-Hélène, il écrit pourquoi la Révolution qui a tant détruit n'a-t-elle pas aussi démoli le château de Versailles? Je n'aurais pas aujourd'hui un vieux château mal bâti. Un favorisant mérite à essayer de rendre supportable. Donc, ça veut dire que pour rendre le château un petit peu moderne, façon début 19e siècle, il y a beaucoup à faire. Donc au final, Napoléon ne s'y installe pas, vous le savez, il ne s'installe qu'au Grand Trianon, avec sa famille. Enfin, il s'installe quand il était en France, c'est-à-dire finalement assez peu de temps. Louis XVIII, lui, sans songer vraiment à s'y installer, va effectuer juste des petits travaux ici, donc ce qu'on appelle sur l'aile Dufour. Il va faire le pendant symétrique de l'aile Gabriel, donc avec une espèce de colonnade, et pour parfaire la symétrie, il va envelopper l'aile initiale pour avoir ce qu'on voit dans le début de gravure ici, pour avoir cette façade donc en colonnade et qui existe encore. Charles X ne fait rien, il fait juste quelques visites au château, et il faut donc attendre Louis-Philippe, à partir de 1830, pour avoir un vrai projet
pour le château de Versailles. Louis-Philippe, c'est pas anodin que ce soit Louis-Philippe qui ait eu un projet, parce que Louis-Philippe est réputé pour être un roi cultivé, un roi soucieux des arts. Le poète Heinrich Heine explique en 1833, à l'exception du roi de Bavière, Louis-Philippe est de tous les princes celui qui se connaît le mieux en beaux-arts. Et en 1832, le château de Versailles rentre dans ce qu'on appelle la liste civile des biens de la couronne, donc la liste civile du roi, gérée donc pour les besoins et par le roi. En 1833, le projet de Versailles est enfin lancé. Je cite « Consacrer l'ancienne demeure de Louis XIV à toutes les gloires de la France, rassembler dans son enceinte tous les grands souvenirs de notre histoire, tel fut le projet immédiatement conçu par Sa Majesté. » Vous notez dans cette phrase de Montalivet qui est l'intendant de la liste civile, l'appellation « l'ancienne demeure de Louis XIV ». Dès 1833, dès avant le milieu du XIXe siècle, la mémoire du château, c'est avant tout Louis XIV. On a quand même eu Louis XV. Louis XV, il est resté au château de Versailles des années 1720 à 1774, plus d'un demi-siècle, ce qui est plus long que Louis XIV, qui lui ne s'y installe à partir de manière permanente qu'à partir de 1682. Donc, la mémoire de Louis XV et la mémoire de Louis XVI sont effacées par le monarque absolu, le roi soleil, celui qui a conçu le projet Versailles, Louis XIV. C'est d'autant plus paradoxal que l'État Louis XIV, dès cette époque, n'existe déjà plus. On a parlé de l'aile Gabriel construite par Louis XV dans les années 1770, l'aile Dufour, l'opéra Gabriel, tout ça, c'est un État Louis XV, éventuellement Louis XVI, ça n'est plus un État Louis XIV. Pour les collections, puisque donc il veut faire un musée, Louis-Philippe va chercher les peintures qui évoquent l'histoire de France et il va les faire revenir d'un petit peu partout, de tous les musées, de toutes les résidences royales, pour évoquer l'ensemble des événements qui font de la gloire de l'histoire de France. On n'est pas évidemment sur ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire un exposé neutre de ce qu'a été l'histoire, mais on est vraiment, le musée de Versailles est là pour glorifier les hauts faits de l'histoire de France. Et donc, on fait venir, je ne vous donne pas le détail de l'organisation du musée, mais on fait venir des tableaux, et puis lorsqu'on n'a pas de tableau ou d'œuvre d'art qui illustre un événement historique, eh bien, on va passer des commandes. Il y a eu beaucoup de commandes passées pour le musée de Louis-Philippe, alors parfois de très beaux tableaux, la prise de Constantinople de Delacroix, la bataille de Taillebourg toujours par Delacroix, Valmy par Horace Vernet, le portrait de Charlemagne par Harry Schaeffer, ce sont des chefs-d'œuvre de l'art. Et puis, comme le roi était pressé, c'est le propre de tous les rois de France, ils sont pressés, il faut que ça aille vite, on a aussi demandé de la peinture au kilomètre. Et la qualité des œuvres, du coup, peut parfois s'en ressentir. Louis-Philippe dit par exemple d'un peintre qui s'appelle Gudin, qui est un petit peu moins passé la postérité que Delacroix, « Ce que j'aime chez Monsieur Gudin, c'est qu'il peint avec célérité. Donc l'important, ce n'est pas la qualité, c'est qu'il puisse produire un tableau rapidement. » Il y a deux problèmes qui vont se poser sur ce musée, sur la création de ce musée. Le premier problème, c'est un problème lié à la monarchie, c'est que Louis-Philippe est persuadé lui-même d'avoir de grandes connaissances en matière historique. Il est persuadé que c'est lui qui peut être, on va dire, le maître d'ouvrage du château de Versailles. D'abord parce qu'il croit y avoir habité, il croit se souvenir de comment étaient les lieux à l'époque, et puis surtout il est persuadé que, comme il connaît toute l'histoire de France, c'est lui qui peut dire à tel et tel peintre, tel et tel artiste, qu'il va falloir dessiner de telle et telle manière. Donc évidemment, ça s'en ressent sur non seulement la véracité de ce qui est présenté dans le musée, mais aussi sur le côté authentique du château de Versailles. Le second problème, et vous allez le voir tout de suite grâce à un plan, c'est que
Versailles, c'était un château, vous connaissez le corps central, et on connaît généralement essentiellement le corps central, l'appartement du roi et de la reine au premier étage, l'appartement du dauphin, de la dauphine, de mesdames au rez-de-chaussée. Mais dans les ailes, les grandes ailes nord et du midi, il y avait tout un tas de petites pièces. Dans ce théâtre, il y avait l'équivalent de 5 ou 6 appartements de courtisans. Donc dans des pièces dans lesquelles on ne peut pas, évidemment, exposer de la peinture. On ne peut pas en faire un musée. Il y avait des micro-chambres, des micro-antichambres, des micro-salons, des petits cabinets de bain. Donc dans tout ça, on ne peut rien faire. Et donc, pour faire son musée, Louis-Philippe va faire des travaux. Je vous montre le plan de l'aile du Midi, ici. Premier étage, plan du premier étage de l'aile du Midi du château de Versailles, avant les travaux de Louis-Philippe. Donc vous avez ici, tout ça, ce sont des petits appartements de courtisans ou de grands appartements. Ici, ça a été pendant un temps, mais je ne sais pas si c'est cette date-là, est-ce qu'il y a une date, non. Ça a été pendant un temps l'appartement du dauphin, fils de Louis XV, dans les années 1740. Puis après, là, vous avez, voilà, petits appartements, tout ici. Ce sont des petits appartements de courtisans. Voici la même aile, même étage, après Louis-Philippe. Ici, ça n'existe pas, c'est construit plus tard. Mais ça, c'est la galerie des batailles. Vous voyez ? Et donc, la galerie des batailles prend place à la place de tout cela. Donc, aujourd'hui, lorsque vous voulez évoquer la vie de cour, de ce qu'était la vie de cour à Versailles, vous n'avez la possibilité d'avoir cette vie de cour que du point de vue royal, du point de vue de la famille royale qui, elle, habitait dans le corps central. On n'a plus aujourd'hui la possibilité d'évoquer ce qu'était une vie de cour avec les 8000 personnes qui vivaient à Versailles avant la Révolution, les courtisans, les domestiques, domestiques des courtisans et domestiques de la famille royale, etc. Il a beaucoup, beaucoup détruit. Le musée donc, est inauguré en 1837, donc 4 ans, à peine 4 ans de travaux hein, pour faire tout cela. Ce qui a tout de même objectivement sauvé Versailles, parce que en 1830, on lui a trouvé un projet, on lui a trouvé une raison d'exister, et en plus avec un système d'ouverture au public. Alors ouverture au public, à nouveau, le projet général, il est sur l'instruction du peuple, en termes d'instruction du peuple, à nouveau, on est là pour glorifier l'histoire de France, la glorifier des origines, Clovis, jusqu'à nos jours, y compris Louis-Philippe. La raison, on peut la trouver, c'est que Louis-Philippe est quand même arrivé au pouvoir après deux révolutions, celle de 1830, celle de 1789. Il faut que lui-même, qui se veut roi des Français, donc le roi de France, qui se veut roi bourgeois, qui se veut en rupture avec les Bourbons, avec la monarchie absolue d'avant 1789, il faut quand même qu'il puisse, notamment aux yeux de ses partenaires diplomatiques, apparaître comme dans une continuité. Il n'est certes plus roi de droit divin, mais il est quand même l'héritier de, on va dire, de la nation française. Et l'histoire de la nation française ne commence pas en 1830, elle commence au contraire aux origines. Tout le musée n'est pas ouvert au public. Trianon reste destiné à la famille royale de Louis-Philippe. Les anciens appartements intérieurs du roi et de la reine, donc sur la cour de marbre, sont les appartements de jour de la famille royale. Dire cela, ça a son importance parce que dès l'ouverture au public en 1837, Versailles va osciller entre deux états, l'état d'un monument, d'un musée ouvert à la population, aux touristes, au public, mais également un usage entre guillemets privatif par le pouvoir, soit à des fins personnelles, là c'était le cas avec Louis-Philippe, soit à des fins de pouvoir diplomatique ou politique. On a beaucoup critiqué le coût de ces travaux. Victor Hugo lui-même dit 18 millions de listes civiles, les châteaux, les apanages et le reste.
le chapeau gris et le parapluie du roi bourgeois coûtent plus cher que la couronne de Charlemagne. Dernière chose sur ce musée Louis-Philippe, aujourd'hui, il n'existe plus. Le musée, dans toutes ses, l'installation des œuvres d'art, le parcours de visite tel qu'il a été conçu au XIXe siècle, n'existe plus. 60 ans plus tard, vous avez un conservateur qui s'appelle Pierre de Nolhac, qui arrive au château et qui va commencer, on va dire, à pousser le musée en dehors au profit de l'histoire du château et donc du décor, de notamment le corps central qui, lui, est resté, avec les premiers projets de remeublement, d'ameublement du château. 100 ans plus tard, dans les années 1940, les collections du château, vous le savez, comme le Louvre, comme les musées nationaux, ont été envoyées en province, et le conservateur du moment, Charles-Maurice Beaupré, va en profiter pour concevoir un aménagement et un parcours de visite complètement nouveau, complètement neuf, un peu plus logique que celui de Louis-Philippe. Et donc aujourd'hui, le musée qu'on visite n'est plus le musée tel qu'il a été voulu et conçu par Louis-Philippe. Je cite une Victor Hugo, toujours, quand même sur le musée. Avoir accompli cette œuvre, c'est avoir fait un monument national d'un monument monarchique. C'est d'avoir mis une idée immense dans le passé, 1789 vis-à-vis de 1688, l'empereur chez le roi, Napoléon chez Louis XIV. En un mot, c'est avoir donné à ce livre magnifique qu'on appelle l'Histoire de France, cette magnifique reliure qu'on appelle Versailles. Donc Versailles, ce qu'évoque Victor Hugo, ne doit plus être seulement le symbole de Louis XIV, de la monarchie, mais le symbole dans son entièreté de l'histoire de France. On verra que ça ne sera pas forcément le cas. Napoléon III, l'inauguration de la Galerie des Batailles, il y avait beaucoup de monde. Napoléon III n'utilise pas beaucoup Versailles. Il y a quand même deux événements. Le premier, c'est celui-là. C'est la réception de la reine d'Angleterre, Victoria, en 1855, qui vient en France pour une visite dans le cadre, évidemment, de l'amitié franco-britannique. Et Napoléon III ressort Versailles avec une magnifique réception, un souper. Le souper a lieu dans l'opéra. Et en 1867, 12 ans plus tard, il va refaire le même coup à l'occasion de l'exposition universelle. En 1867, il y a beaucoup de chefs d'État, beaucoup de souverains européens qui viennent en France en 1867, et donc tous ces souverains vont être amenés à Versailles, où on a même fait une petite exposition sur Marie-Antoinette au Petit Trianon. À nouveau, deuxième personnage phare dans l'imaginaire de Versailles, Marie-Antoinette. Cette visite de 1855, elle est importante parce que elle montre, on n'a pas accueilli n'importe qui à Versailles en 1855. On a accueilli la souveraine d'un pays avec lequel on veut entretenir des relations privilégiées. Et donc c'est la première fois qu'on va ouvrir, pour des raisons autres que culturelles, le château pour un événement politique, un dîner politique, pour une nation avec laquelle on veut avoir des relations diplomatiques extrêmement fortes. Ça, c'est un usage de Versailles, on va le revoir, qui va traverser les décennies jusqu'à encore maintenant. Versailles est à nouveau sous les feux de la rampe en 1871 avec la proclamation de l'Empire allemand. Pour ça, vous le savez, Versailles est occupé à partir de septembre 1870, au moment où les Prussiens commencent à assiéger Paris. Donc ils entourent Paris petit à petit. Versailles, c'est très pratique pour y loger l'ensemble d'une armée. Alors le roi de Prusse lui-même ne s'installe pas au château de Versailles, il s'installe à la préfecture de Versailles. Mais en revanche, Versailles est très pratique. Le culte est célébré dans la chapelle du château. Et alors que le gouvernement français, lui, est replié à Bordeaux, et Bismarck, lui, installé à Versailles, s'occupe d'une chose, c'est de faire proclamer l'Empire d'Allemagne.
C'est pratique, Versailles, parce que d'abord, tous les princes allemands quasiment sont à proximité dans le cadre de, dans le contexte de la guerre franco-prussienne. Et puis Versailles, c'est tout simplement pratique parce qu'il y a une grande salle qui permet d'accueillir tout le monde. Donc, au-delà de la volonté manifeste d'humilier les Français en proclamant l'Empire allemand dans le monument symbole de l'histoire de France, de la longue et glorieuse histoire de France, il y a quand même un aspect logistique, c'est tout simplement pratique. Il y a aussi quand même un petit paradoxe un peu cocasse, c'est que cette proclamation de l'Empire allemand, alors vous voyez donc hein, l'empereur ici, Bismarck, qui est au centre de la composition, qui est l'artisan de la proclamation, c'est Bismarck, c'est pas Guillaume de Prusse. Il y a quelque chose qui est assez amusant, c'est d'imaginer que l'Empire allemand a été proclamé donc, sous les voûtes de la Galerie des Glaces, sous les peintures de Charles Le Brun, qui illustrent les glorieuses victoires du roi Soleil, notamment sur le Saint-Empire romain germanique. Un seul souverain manque à l'appel, vous savez qui c'est ? Qui n'est pas là ? Qui n'est pas sur le tableau ? Qui s'est fait représenter ? C'est Louis II de Bavière. Louis II de Bavière, qu'on connaît évidemment avec ses châteaux un peu grandiloquents, et on va en parler. Louis II de Bavière n'est pas venu parce qu'il boude. La Bavière est plutôt un allié historique de l'Autriche-Hongrie. Lors de la guerre austro-prussienne, la Bavière était du côté des Autrichiens. Et évidemment, la création de l'Empire allemand, eh bien, au profit de la Prusse, fait baisser de beaucoup l'influence de la Bavière dans la Confédération germanique. Donc Louis II a boudé, il a envoyé son frère, qui était encore plus fou que lui, puisque le frère, je crois, 2 ou 3 ans après, a été interné, alors qu'il faut attendre une quinzaine d'années avant que Louis II de Bavière ne soit déposé. Alors c'est un petit peu dommage, parce que Louis II de Bavière, c'est château fou, on connaît Neuschwanstein et un petit peu moins Linderhof. On connaît, alors c'est un peu plus loin pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Bavière, on connaît moins bien Herrenchiemsee. Donc Herrenchiemsee, c'est au-dessus, en bas, c'est Versailles. Louis II de Bavière était un fan de Louis XIV, absolu, le fan de Louis XIV, et il a voulu avoir son Versailles à lui. Alors malheureusement, il n'a pas pu le terminer, puisque malheureusement, il a été déclaré fou. Donc les deux ailes latérales n'ont pas été construites. En revanche, le corps central existe. Vous avez une galerie des glaces qui est encore plus longue que l'original de Versailles. Et puis surtout, comme il n'était pas fan de Louis XV, il était fan de Louis XIV, donc il a voulu construire un château état Louis XIV. Et on retrouve à Herrenchiemsee notamment l'immense escalier des ambassadeurs que Louis XV avait détruit dans les années, je crois, 1750. Alors, une fois qu'on a dit ça, pourquoi dire tout cela ? C'est que de 1789 à 1870, finalement, alors qu'il y avait un avenir incertain pour Versailles, on ne savait pas ce que ça allait devenir, ça n'était plus une résidence royale, une résidence d'État. On y a fait des petits travaux, on y a fait un musée, mais où personne finalement ne vient vraiment. Il y a des événements politiques, le souper avec la reine Victoria, la proclamation de l'Empire allemand, mais au final, de décennie en décennie, on finit par trouver un petit peu de manière successive des usages au château de Versailles, usages successifs, mais qui vont un petit peu cadrer la demeure. Un musée, d'un côté, le musée restera toujours, il n'a jamais été question après 1837 de fermer le château de Versailles à la visite du public. Donc le musée, même s'il a changé, même s'il a évolué, même si le principe et le but ont évolué, ça n'a jamais été remis en question. Mais parallèlement, va se développer un usage de Versailles pour recevoir des souverains étrangers, pour proclamer des empires le cas échéant, et c'est cette double existence parallèle qui va permettre au château d'avoir un usage politique à côté de son être culturel patrimonial. Et c'est en ça que Versailles, finalement, va devenir l'un des châteaux, l'un des lieux emblématiques, et c'est paradoxal, mais emblématiques de la République. Alors pourquoi ? D'abord parce que
d'une certaine manière, la République est quasiment née à Versailles. La République à peine a été proclamée donc en septembre 1870. On l'a célébré là, il y a quelques jours, c'est son 150e anniversaire. Le gouvernement, vous le savez, se replie très rapidement à Bordeaux, pour, puisque Paris est assiégé. Et les élections, l'armistice est signé fin janvier avec les Allemands. Et dans les conditions d'armistice, il est prévu l'élection d'une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est élue début février. C'est un raz-de-marée monarchiste, ce qui est formidable. On vient à peine de proclamer la République qu'on élit des députés monarchistes. Et on confie le pouvoir, évidemment, enfin, le pouvoir en tant que chef du pouvoir exécutif, donc à Adolphe Thiers. Adolphe Thiers quitte Bordeaux pour négocier les conditions de paix au mois de février. Il rejoint Versailles. Adolphe Thiers, vous le savez, est très sympathique, mais très piètre diplomate. On se fait ratatiner par les Allemands. Je crois que Bismarck le disait, j'ai dû le noter, Thiers est un homme sensible et respectable, mais Thiers très piètre diplomate. Et une fois la paix approuvée, les préliminaires de paix sont signés le 26 février, eh bien, l'Assemblée nationale, qui est toujours à Bordeaux, a à cœur de relever le pays. Et ça n'est pas à Bordeaux qu'on relève le pays, c'est à Paris. Il n'y a pas de Bordelais parmi vous, j'espère. C'est une très belle ville. Le problème, c'est que les conditions de paix, vous le savez, d'armistice puis de paix, n'ont pas plu à tout le monde, et notamment aux Parisiens, puisqu'il est prévu, dans les conditions de paix, que les forts qui entourent Paris soient démantelés et que les canons soient démontés de leurs affûts. Du coup, Paris commence à s'agiter début mars. Et du coup, les députés qui, dès la fin du XIXe siècle, sont déjà prudents, se disent « on va peut-être pas remonter tout de suite à Paris, on va aller près de Paris ». Plusieurs lieux sont envisagés, Bourges, qui était trop loin, Fontainebleau, qui a été jugé un petit peu trop loin, Orléans, qui était pratique, et puis finalement Versailles. Émile Zola dit « Versailles est bien tentant ». Versailles, avec ses arbres, ses sapins bien taillés, ses châteaux, c'est un peu la campagne arrangée, une campagne bien peignée, aristocratique, et, je cite Émile Zola, « on est loin du bruit, loin du tumulte, loin de la révolution, loin de la démagogie ». Donc, les députés décident de s'installer à Versailles, début mars, pendant que le gouvernement, lui, retourne à Paris. Alors, on est un petit peu embêté parce que Versailles, c'est très bien, c'est très grand, c'est assez pratique, mais c'est pas tout à fait aménagé pour recevoir une Assemblée nationale. Et donc, en vitesse, l'architecte de l'Assemblée, qui s'appelle Charles Questel, va aménager l'opéra de Louis XV en salle des séances. Et toute l'aile du Nord va être aménagée pour recevoir, on va dire, une sorte de palais bourbon-bis d'Assemblée nationale, avec une buvette pour les députés, avec des bureaux, des salles des séances, des salles des commissions. On met un mur sur la scène du théâtre, parce que la scène est trop profonde, la fosse est recouverte, on met de nouvelles banquettes, on transforme l'aile du Nord en Assemblée nationale. Jules Grévy, qui est président de l'Assemblée nationale, s'installe dans les petits appartements du roi pour y mettre son logement. L'ouverture de la session est prévue le 20 mars. Deux jours avant, patatras, 18 mars, c'est l'insurrection à Paris, la commune et le gouvernement qui lui était à Paris dans les ministères, évidemment, fuit en masse et du coup fuit à Versailles. Donc, à partir du 18 mars, on se retrouve à Versailles, dans la ville et dans le château, avec non seulement la représentation nationale, les députés, mais aussi tout le gouvernement. Alors, le gouvernement, lui, s'installe vraiment dans le château,
un petit peu, enfin c'est du camping, hein, c'est le premier qui arrive, prend les deux, trois salons, la chambre de la reine, un peu de la galerie basse, le ministère des Finances, alors j'ai, voilà, le ministre des Travaux publics installe sa chambre dans la chambre de Marie-Antoinette, voilà, non, dans la chambre de Madame du Barry, pardon. Le ministère de l'instruction publique, lui, s'installe dans les appartements de la Dauphine. Enfin, c'est vraiment le premier qui arrive, prend les pièces qui sont disponibles. Le seul qui ne s'installe pas au château, c'est Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, lui, s'installe à la préfecture que les Prussiens ont abandonnée, ont libérée. Et donc, pendant quelques semaines, pendant tout le temps que dure la Commune de Paris, le gouvernement français est installé au château de Versailles avec Adolphe Thiers à proximité. Lorsque la Commune est écrasée, au bout de quelques semaines, le gouvernement, lui, retourne à Paris, petit à petit, mais finalement assez rapidement. À l'été 1871, hormis quelques scories, les ministères sont rentrés à Paris. Adolphe Thiers, lui, va rester à la préfecture, notamment sur l'insistance de sa femme et de sa famille qui ne veulent pas retourner dans ce Paris révolutionnaire, sachant que son hôtel particulier, qui est dans le 9e arrondissement, vous connaissez peut-être, c'est la fondation Don Thiers vers Saint-Georges, un lieu superbe, a été brûlé entièrement, donc il faut de toute façon reconstruire. Alors lui n'est pas content du tout, hein, il aurait bien voulu rentrer à Paris, profiter de l'Élysée, etc. Et donc il se retrouve à l'hôtel de la préfecture de Seine-et-Oise, qu'on a rebaptisé hôtel de la présidence, et que lui, dans ses correspondances, appelle l'hôtel de la pénitence. Donc il n'est pas du tout content de rester à Versailles. Et puis ceux qui restent à Versailles, évidemment, ce sont les députés de l'Assemblée nationale. De 1871 à 1875, les députés de l'Assemblée nationale restent dans l'Opéra Louis XV, avec toute l'aile du Nord qui fait fonction d'Assemblée nationale. C'est ainsi que tous les textes constitutionnels qui, à partir de 1871 jusqu'à 1875, sont votés par l'Assemblée nationale, sont votés dans l'Opéra Louis XV. C'est pour ça qu'on peut dire vraiment que la République, avec sa forme constitutionnelle, les textes de 1875 ont été votés dans l'Opéra Louis XV. La loi Rivet du 31 août qui crée le titre de président de la République et la fonction de président de la République est voté dans l'opéra du château de Versailles, ce qui est assez amusant. Donc 1789-1871, pour la première fois depuis la Révolution française, le pouvoir le chef du pouvoir exécutif donc, est installé à Versailles à la préfecture. Et le pouvoir législatif est installé au château de Versailles. Les lois de 1800, la chute de Thiers, lorsqu'il est mis en minorité en 1873 par les conservateurs, c'est à nouveau à l'opéra de Louis XV. Donc voilà l'opéra aménagé en salle des séances. Ce qui va changer, c'est qu'en 1875, vous le savez, les textes, les lois constitutionnelles de 1875 vont créer une deuxième chambre. À côté de l'Assemblée nationale, qu'on appelle à partir de 1875 chambre des députés, on instaure un Sénat. Deux chambres, donc il faut une deuxième salle des séances. Le Sénat donc, va s'installer à la place de l'Assemblée nationale dans l'Opéra Louis XV, mais pour la Chambre des députés, il faut une deuxième salle. Eh bien, au milieu de l'aile du Midi, on va construire ex nihilo une salle des séances absolument immense. Ce qui fait dire aujourd'hui que le dernier aménagement au château de Versailles, la dernière construction en dur, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un aménagement muséographique, de présentation de peinture, d'exposition, etc. La dernière construction au château de Versailles, le dernier agrandissement, eh bien, c'est une pièce, un lieu destiné au pouvoir républicain.
Là, à nouveau, en termes de symbole, c'est assez fort. Quand on dit le château de Versailles, c'est le château de Louis XIV, le château de Marie-Antoinette, c'est vrai. C'est aussi le symbole de la République. Et d'ailleurs, on a aménagé le château pour que la République puisse clairement y travailler. Le pouvoir républicain, d'ailleurs, s'accommode très bien d'être à Versailles. Cette salle des séances, je ne sais pas si vous l'avez visitée, elle se visite assez peu. Cette salle des séances, souvent on connaît l'opéra, on connaît moins la salle qu'on appelle désormais la salle du congrès. C'est une salle qui est immense. Et on y viendra tout à l'heure, c'est d'ailleurs la seule salle qui aujourd'hui est capable d'accueillir à la fois les députés et les sénateurs. C'est beaucoup plus grand que la salle du Palais Bourbon ou que la salle du Palais du Luxembourg. Le choix de Versailles, finalement, pour y installer la République... Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les deux chambres vont rester jusqu'en 1879 au château de Versailles. Donc le Parlement reste à Versailles de 1871 à 75 avec une chambre et de 75 à 79 avec deux chambres. Et en 1879, il retourne au Palais Bourbon pour la Chambre des députés, au Palais du Luxembourg pour le Sénat. Ce qu'on sait moins, c'est que ces deux chambres sont certes retournées à Paris, mais ont conservé les locaux du château de Versailles jusque à peu près 2005. Donc jusqu'en 2005, la salle du congrès qui était ici était dévolue à l'Assemblée nationale. Jusqu'en un petit peu avant 1959, l'opéra Louis XV reste dévolu au Sénat. Ce qui fait que de 1879 à 1959, pendant 80 ans, c'est un lieu qui ne sera pas visitable dans le cadre des circuits de visite du château, et dans lequel le château de Versailles n'interviendra pas en termes de valorisation, d'exposition, de visite, de concert ou de quoi que ce soit. C'est un lieu qui est dévolu au Sénat. Et le Sénat, d'ailleurs, pendant 80 ans, va en fait fermer les portes. L'opéra va suffisamment se dégrader pour que dans les années 1950, on le restaure à grands frais. Et finalement, après son inauguration en 1957, mais je crois qu'il y a des photos plus loin, le Sénat décide de le rendre au château de Versailles. Donc, je le disais, finalement... La République s'accommode bien de Versailles. Et on est un petit peu dans la même logique que Louis-Philippe. Pour quelle raison? La République, la France, en 1871, et dans les années 1870, et même un petit peu après, est quand même dans une forme d'instabilité pour ses partenaires diplomatiques. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on est tantôt une République, tantôt un roi, un empereur, maintenant une République? Qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement... L'usage que la République va avoir de Versailles, et notamment le pouvoir exécutif à partir des années 1870, permet à nouveau d'inscrire ses pas dans la longue continuité de l'histoire. C'est pas la République qui reçoit à Versailles. Là, c'est l'exemple, par exemple, d'une réception offerte au souverain en visite à l'exposition universelle de 1878 dans la Galerie des Glaces. Il y a eu également une réception du Shah de Perse en 1873. Mais... c'est pas la République, c'est la France qui reçoit. Et on a un lieu qui symbolise la continuité de l'histoire, depuis les origines jusqu'à la République, c'est le château de Versailles. Et c'est en ça qu'il faut comprendre l'instauration, une sorte de protocole de visite officielle au château de Versailles. Là, je vous ai mis, ce sont des photos, alors je pense que vous ne voyez strictement rien. Donc là, vous avez une espèce de landau avec des chevaux. Vous avez... même si vous ne le reconnaissez pas, ici, le tsar Nicolas II, accompagné de Félix Faure. Ces visites, elles sont à comprendre comme cela. Il faut montrer, d'abord, qu'on offre à nos partenaires diplomatiques et ceux qu'on veut le mieux traiter, ce qu'on a de plus beau, ce qu'on a de plus fastueux. Mais on veut aussi, d'une certaine pour les honorer, mais on veut aussi les impressionner. Voilà ce que la France... la France millénaire a été capable de faire en termes de faste, en termes d'or, en termes de prestige.
N'oublions pas que Versailles a inspiré toutes les demeures royales et impériales de l'Europe au XVIIIe siècle, une grande partie, en Russie, en Prusse, en Italie, le château de Caserte, le château de Schönbrunn, tout ça, ce sont des châteaux dont la structure générale a été inspirée par le modèle versaillais. Donc on assoit sa légitimité. Ce qui est assez amusant avec cette visite du tsar de Russie, c'est que, à nouveau, on est vraiment dans l'entente franco-russe, fin 19e, le partenaire russe est un partenaire qu'on veut absolument traiter le mieux possible, parce que c'est un partenaire diplomatique jugé fondamental. Il y a quelque chose qui est amusant, c'est qu'un siècle plus tard, la France fera exactement la même chose avec le même pays. On va y venir plus tard, je regarde l'heure parce que je suis très bavard. Et j'ai plein de choses à vous dire. En 1991, au moment où l'URSS s'effondre, il y a une forme d'incertitude on va dire, des relations diplomatiques franco-soviétiques, franco-russes. On ne sait pas trop qui va prendre le pouvoir en URSS. Et puis il y a un type qui s'appelle Boris Yeltsin, qui semble émerger, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et donc il vient une première fois en France, et on le reçoit un petit peu par-dessus la jambe, entre deux portes. Bref, il n'est pas très bien traité. Et en 1992, il revient, et là, pour le coup, Boris Yeltsin est, a conquis le pouvoir russe. Il est vraiment l'homme fort de la Russie, et le gouvernement de François Mitterrand se rend compte qu'on a, l'année précédente, fait une bêtise en le recevant un petit peu légèrement. Et donc, du coup, on va rouvrir les portes de Versailles, et notamment de Trianon, où étaient logés, on va le voir, les chefs d'État étrangers, et ça n'était plus le cas depuis une dizaine d'années, mais pour lui, on va faire une exception, on va rouvrir le palais du Trianon, il va loger avec sa suite. Il y a une anecdote assez amusante, c'est que, et qui est vraie, hein, je la tiens du directeur du château de Versailles de l'époque, la déviation russe arrive, on a préparé les chambres au Grand Trianon, et ce qui est très important, évidemment, ce sont les mini-bars dans chaque chambre. Et on les installe, et puis 10 minutes après leur installation, coup de téléphone à la direction du château de Versailles, et il y a l'aide de camp de Boris Yeltsin qui dit « il n'y a plus d'alcool ». Le directeur du château appelle le Quai d'Orsay, il dit « on fait quoi ?» Il dit « vous en remettez ». Donc ils en remettent, et puis 2 heures après, coup de téléphone, l'aide de camp qui dit « il n'y a plus d'alcool ». Et alors en fait, la première cargaison était partie dans les valises, et la deuxième cargaison avait été bue. Donc, à partir de là, se met en place un usage républicain qu'on peut décliner en 3 volets. 3 volets, c'est symboliser la République, recevoir et enfin vivre à Versailles. Symboliser la République, c'est évidemment les élections présidentielles. Quel rituel le plus fort symbolise la vie de la démocratie qu'une élection? Et tous les 7 ans, un peu avant parfois, les députés et les sénateurs se réunissent au château de Versailles, dans la salle du congrès qu'on a vue, pour élire le président de la République. Donc ils viennent en train, ils viennent en voiture, une espèce de cérémonial. Alors c'est très important, parce que vous avez la presse qui est là, les actualités Pathé-Gaumont, vous avez les ambassadeurs étrangers qui sont là, vous avez les diplomates, vous avez le tout Paris mondain, etc. Et les élections présidentielles sont vraiment des événements politiques, diplomatiques, culturels, socioculturels, mondains, qui attirent une foule énorme et qui font l'objet de publications extrêmement lues, extrêmement appréciées. Dans le journal L'Illustration, dans les actualités quand on va au cinéma, on présente ces événements. Et à nouveau, Versailles va donc symboliser ce protocole républicain. Alors, il y a une citation assez longue de Pierre de Nolhac, donc, qui est le conservateur du château, et qui dit « On voit tous les 7 ans des cordons militaires entourer le château. Les grilles du parc se clorent dès le matin et les grands restaurants de la ville regorgés d'élégantes clientèles. C'est la journée du congrès.
Au déjeuner politique et mondain, autour des tables fleuries, s'échangent les pronostics. Puis tout le monde reflue vers la statue Louis XIV et l'entrée sur la rue Gambetta, où les invités gagnent les tribunes. Donc la rue Gambetta est juste derrière, là, et la statue Louis XIV est par ici, donc on vient par ici. Que d'invitations m'ont été demandées, donc le directeur du château. Que de cartes il a fallu réserver à des amis ou à des indifférents qui ont soudainement invoqué de vieilles et sympathiques relations. Tous les 7 ans, et parfois même plus tôt, c'est la même aventure. Le monde le plus varié s'entasse sur le grand balcon de Gabriel. Le grand balcon de Gabriel, c'est donc ici et de l'autre côté. Ce sont des poètes et des ambassadeurs, l'Europe, l'Amérique, le Faubourg et la Comédie française. Des toilettes élégantes envahissent mon escalier. Ce sont pour un jour les couloirs du Parlement transportés ici dans le décor des fastes napoléoniens, etc. Je cite également, et mesdames, vous m'excusez, par avance, c'est une citation de Colette. Donc, c'est une femme qui l'écrit. « Le monde de la finance, de la politique, des lettres, le monde tout court, fournissait à cette énumération des noms célèbres. Le théâtre et même le musical avaient délégué à Versailles ce qu'ils ont de mieux comme vedettes. Je sais que de tout temps, et vraiment vous m'excusez, je sais bien que de tout temps, les femmes ont montré de la curiosité, un goût tripoteur et ingénieux pour l'intrigue et la politique. Cela ne suffit pas à expliquer, j'allais dire à excuser, leur présence ici, aujourd'hui. Elles sont vraiment beaucoup. Elles sont beaucoup trop. » Voilà. Donc, un événement très important dans la vie politique républicaine française. Vous voyez, donc, les personnalités qui arrivent. J'ai mis Raymond Poincaré et Alexandre Mirand. Raymond Poincaré et Alexandre Mirand sont les deux fondateurs, entre autres, de la Société des Amis de Versailles. Donc Raymond Poincaré, on est en 1920, et donc c'est l'élection qui verra l'élection de Alexandre Mirand. De la même manière, donc ça, on est sous la 3e et 4e République. Alors, 4e République, vous connaissez l'anecdote de l'élection de René Coty, ça dure très longtemps, hein, puisque les parlementaires sont convoqués le 17 décembre 1953, et ils ne se mettent d'accord sur un nom que le 23 décembre 1953, ça prend 6 jours. C'est-à-dire que pendant 6 jours, si vous êtes un touriste venant de Montpellier et que vous voulez visiter le château de Versailles, eh bien, pendant 6 jours, vous trouvez porte close. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient un petit peu complexe d'organiser cela. À un moment donné, dans les années 1950, le tourisme commence à prendre de l'ampleur au château de Versailles. Vous savez pourquoi René Coty a été élu président de la République? Qui le sait? Est-ce qu'il y a des fans de la 4e République et de René Coty et de OSS 117? Non. René Coty, ce n'était pas du tout celui qu'on voulait élire. Mais l'élection de 1953 s'est focalisée sur un enjeu très fort qui était, de mémoire, c'était sur l'Europe et notamment la création d'un système de défense européen. Je crois que c'était ça. Et où il y avait eu quelques mois ou quelques années plus tôt un vote au Parlement, Assemblée, Chambre et Sénat, où chacun en fait avait pris parti pour ou contre cela. Et évidemment, en 1953, il y avait un camp pour, un camp contre, et selon les candidats, il y avait notamment Joseph Laniel qui était bien parti, et bien, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un candidat. Et on a fini par élire René Coty parce qu'il n'avait pas pris part au vote il y a quelques années, parce qu'il était en train d'être opéré de la prostate. Et donc on dit que Coty a été élu grâce à sa prostate, parce que ça lui a permis évidemment de ne pas prendre parti pour ou contre le système de défense européen. Donc, sous la 5e République, on n'élit plus les présidents de la République au château de Versailles, mais on va le remplacer, ce système, et à nouveau très symbolique, par les révisions constitutionnelles. Ce qu'on appelle le congrès du Parlement se réunit dans la salle du congrès pour voter les révisions constitutionnelles. Et donc, il y en a eu un petit peu moins d'une quinzaine depuis 1958, et notamment, je crois, près de la moitié sous la présidence de Jacques Chirac, où à chaque fois, essentiellement le lundi, jour de fermeture du musée, ça ne dure qu'une journée, les parlementaires se réunissent pour réviser la Constitution. Ça a moins d'aura médiatique
que les élections présidentielles à l'époque, mais en termes de symbole sur, à nouveau, les rituels de la vie politique, démocratique, républicaine, la révision de la Constitution qui est le texte fondamental, celui sur lequel se base l'ensemble de notre existence, de l'existence des citoyens, c'est évidemment un geste extrêmement fort. Et à nouveau, c'est au château de Versailles que ça se passe. Donc on est vraiment sur le symbole de la République. De manière un petit peu similaire, un petit peu, moins un peu plus anecdotique en termes de puissance dans la vie démocratique, mais c'est la possibilité introduite par Nicolas Sarkozy à partir de 2008 pour le président de la République, de s'exprimer devant le Parlement. Depuis le début de la Troisième République, ça n'était pas permis par les textes constitutionnels. Il n'y avait pas de... Le président n'avait pas le droit de se présenter devant les chambres. C'est le souvenir d'Adolphe Thiers en 1873 qui essaye de défendre son bilan hein, en disant « Oui, moi je suis formidable », la crainte du coup d'État qui a fait qu'à partir de 1875, le président ne peut plus s'exprimer devant le Parlement. Nicolas Sarkozy, lui, fait voter une modification de la Constitution en 2008 dans ce sens pour pouvoir donc s'exprimer devant les parlementaires. Il le fait à une seule reprise, lui, le 22 juin 2009, disant qu'il souhaite agir ainsi dans une démocratie apaisée où tout le monde s'écoute, où tout le monde se respecte. Il n'a utilisé cette faculté qu'à une seule reprise. C'est assez mal passé à l'époque, parce qu'évidemment, c'est un nouveau pouvoir, on ne sait pas trop avec quoi ça va bien pouvoir servir, et donc on a ce retour un petit peu des caricaturistes, un petit peu de la même manière que De Gaulle, qui était caricaturé en Louis XIV dans les années 60, et Nicolas Sarkozy a fait l'objet de ce type de caricature. François Hollande, lui, à nouveau, dans un moment extrêmement fort pour l'histoire de la nation française, le fait à une reprise au lendemain des attentats de novembre 2015, et c'est notamment à Versailles qu'il va décréter l'état d'urgence. On est à nouveau dans l'exceptionnel. Emmanuel Macron, lui, a eu un projet de le faire chaque année. En juillet 2017, puis en juillet 2018, il va réunir le Parlement au château de Versailles pour s'exprimer devant lui. Il voulait en faire une sorte de rituel, à nouveau, démocratique. Et puis finalement, l'idée, pour des raisons qui m'échappent, n'a pas été poursuivie après 2018. Pour l'anecdote, dans le symbole de la République, on le dit avec beaucoup de critiques, parfois envie, parfois critique, l'École nationale d'administration a failli s'installer au château de Versailles au moment de sa création en 1945. Il y avait un problème. La grande écurie du château, donc de l'autre côté de la place d'armes, a été affectée à l'ENA. Et pendant une petite dizaine d'années, il y avait un projet d'aménagement très sympathique. Il devait y avoir ici des terrains de tennis, il devait y avoir une piscine, un gymnase, des bureaux. Ici, dans le pavillon, c'était le logement du directeur. Dans les étages, il devait y avoir des chambres, des logements pour les élèves de l'ENA. Mais l'armée n'a jamais voulu quitter les locaux. Et donc l'ENA est restée à Paris. Alors je le disais tout à l'heure, petit à petit le Parlement va quand même abandonner ces lieux. Aujourd'hui il ne reste que la salle du Congrès, donc et quelques bureaux qui servent au moment où le Congrès se réunit, soit pour les révisions constitutionnelles, soit pour les discours présidentiels. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale et le Sénat ont abandonné quasiment tous leurs locaux. Il faut savoir que jusqu'en 2005, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les questeurs, les secrétaires généraux des deux chambres disposaient d'appartements de fonction, soit dans le château de Versailles, soit dans les ailes des ministres, dont certains faisaient 400 mètres carrés. Sachant que ces gens-là ont des logements de fonction à Paris. Paris-Versailles, c'est pas non plus le bout du monde, hein. Vous avez des logements de fonction dans les deux villes. Et c'est Jean-Louis Debré en 2005 qui a dit « Hop, on balaye tout ça ». Et c'est très mal passé auprès de certains parlementaires. Deuxième usage principal, recevoir.
le château de Versailles va devenir au XXe siècle le lieu par excellence des réceptions républicaines. Alors, tout ne se met pas en place immédiatement, on le fait petit à petit, mais en revanche, ce qui se met en place, c'est la part de Versailles qu'on accorde aux visiteurs. Plus on souhaite honorer un invité, un hôte, plus il a droit à des fastes de Versailles. Je vous ai mis ici une photo de l'arrivée du roi George VI d'Angleterre en 1938. George VI, juste avant, en arrivant à Versailles, va passer en revue ce qui ne s'était jamais fait depuis probablement l'Ancien Régime, va passer en revue avec Albert Lebrun 50 000 militaires sur la place d'armes. Donc on est vraiment dans, la diplomatie de manière à pouvoir honorer et impressionner ses hôtes. Voilà une photo du dîner. Alors c'est dommage, maintenant on ne fait plus de dîner comme ça, avec les petites perruques, tout ça. Maintenant, ce n'est plus terne. Voilà, des petites décorations en sèvres, etc. Ça avait de l'allure, quand même. Hein. C'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que l'usage de Versailles va s'amplifier, pour deux raisons. La première raison tient à la présidentialisation du régime, avec la Ve République. Le président de la République n'est plus uniquement chargé de faire de la représentation, il ne fait plus que seulement ouvrir la portière à la reine d'Angleterre, mais il reçoit pleinement, il décide qui il reçoit et comment il reçoit. Et du coup, la deuxième raison est liée à cela, le général de Gaulle a une vision de la France, il a une vision très particulière des devoirs internationaux, des devoirs de la France vis-à-vis de ses partenaires internationaux et de la place qu'elle occupe dans le monde. Donc c'est vraiment là, sous De Gaulle, que se met en place le fait que recevoir à Versailles, c'est offrir ce que la France a de plus beau, mais aussi en mettre plein la vue, hein, grosso modo. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le général De Gaulle va faire électrifier la Galerie des Glaces. La photo que vous avez de manière précédente en 1938, c'est un déjeuner. Tout ça, on est au mois de juin ou juillet, je n'ai plus la date exacte, mais on va dire c'est l'été, et donc on peut déjeuner parce qu'il fait beau. Mais on ne peut pas organiser de dîner dans la Galerie des Glaces, tout simplement parce que quand il fait nuit, on n'y voit rien. Et donc De Gaulle, en 1961, en prévision de la visite de John Kennedy, va faire électrifier la Galerie des Glaces pour y organiser un dîner fastueux. Alors celui qui s'en sort là-dedans, c'est Baudouin de Belgique, qui n'est pas le partenaire le plus fondamental de la France dans les années 60, mais il fait une visite d'État, je crois, 10 jours avant, et donc du coup, en fait, c'est pas Kennedy qui est le premier à dîner dans la Galerie des Glaces, c'est Baudouin de Belgique. Je crois que si Kennedy n'était pas venu la semaine d'après, honnêtement, Baudouin aurait déjà dîné ailleurs. Il y a un autre aspect qui est que De Gaulle va décider d'organiser à Versailles la visite diplomatique. C'est-à-dire que il va avoir le projet qui va se concrétiser d'aménager le Grand Trianon pour recevoir les chefs d'État étrangers. Jusqu'à présent, les chefs d'État étrangers en visitant France sont logés soit dans leur ambassade, soit au Quai d'Orsay, c'était le cas du roi et de la reine d'Angleterre dans les années 30, soit au Palais de l'Élysée dans les années 50, au premier étage, on va aménager un logement. Je crois que la reine d'Angleterre y loge dans les années 57, au moment de l'inauguration de l'Opéra. Là, on va décider de tout aménager pour les chefs d'État étrangers. Les chefs d'État logeront dans cette partie du Grand Trianon, partie rouge ici, leur suite dans la partie verte, les réceptions auront lieu dans la partie jaune, avec une petite galerie qu'on appelle la galerie des Cotels, qui est très pratique. Ces aménagements vont être utilisés, alors pas beaucoup par De Gaulle, puisque c'est inauguré en 1966, mais énormément dans les années 70, sous Georges Pompidou et sous Valéry Giscard d'Estaing. La plupart des chefs d'État en visite officielle en France
va dire de 1969 à 1982, vont loger au Grand Trianon. Alors, c'est très moderne, on y fait des travaux absolument dantesques. Il y a des cuisines ultra modernes en sous-sol, il y a des salles de bain, il y a de l'électricité partout, etc. L'architecte qui fait ça s'appelle Marc Saltet, est mort, je crois, en 2008 à l'âge de 102 ans. Et à l'Académie d'architecture, il y a eu un hommage rendu à son œuvre, à son action. Et on a diffusé un petit film sur la restauration du Grand Trianon. Et au fur et à mesure qu'il y avait le film qui était projeté, on a vu les architectes un petit peu se ouvrir des grands yeux en disant « Mais comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça au Grand Trianon ?» On est ici dans la quintessence de l'architecture et de la décoration du XVIIe siècle, donc sur la dernière partie du règne de Louis XIV. Et on a démonté le Grand Trianon, vraiment, au sens propre du terme, pour y installer la modernité. Alors, de la même manière, c'est pas très bien passé, hein, voilà. Alors, vous ne voyez peut-être pas la phrase qu'il y a écrite en dessous, donc c'est l'inauguration du Grand Trianon, donc en juin 1966, et la phrase en dessous, c'est « Ne sont-ce point les bidonvilles de Nanterre que j'aperçois là-bas ?» Alors, bon, quelques réceptions, voilà Nixon ici, et surtout le sommet du G7 en 1982. Le sommet du G7 de 1982, c'est l'apogée de Versailles comme lieu diplomatique. En 81, on s'est dit, mais qu'est-ce que le pouvoir socialiste va faire de Versailles ? Il y a une ancienne guide conférencière qui raconte qu'en mai 1981, elle fait visiter le château à deux Versaillaises, Grantin, etc., et à la fin de la visite, donc on est au lendemain de l'élection de Mitterrand, l'une d'elles dit à la guide « Nous sommes venus visiter ça une dernière fois avant qu'on le détruise. » Et en réalité, celui qui va offrir l'apogée diplomatique internationale de Versailles, c'est François Mitterrand avec le sommet du G7 et les dirigeants les plus puissants du monde qui vont se retrouver au château de Versailles. Le problème, c'est que ça dure, le sommet en lui-même dure 3 jours, mais pour l'organiser, il faut fermer le château pendant presque 3 semaines, il faut fermer le parc pendant plusieurs semaines, et le Grand Trianon pendant plusieurs mois, pour aménager tout cela. À nouveau, on est dans une période, on a dépassé les 2 millions de visiteurs au château de Versailles, avoir cette contrainte logistique de fermeture, pour ce type de sommet, ça commence à être un petit peu plus gênant. Et c'est probablement l'une des raisons qui va expliquer qu'après 1982, et hormis Boris Yeltsin, en 1992, les chefs d'État en visite en France ne logeront plus au Grand Trianon. Et on n'organisera plus non plus de dîner fastueux dans la Galerie des Glaces et avec spectacle à l'Opéra. Il y a une deuxième raison, probablement, c'est que avant les années 80, les visites diplomatiques pouvaient durer assez longtemps. Elles pouvaient durer 4-5 jours, parfois plus. Je crois que Khrouchtchev est resté presque 2 semaines en France en 1960. Et donc dans ce délai, il est facile de programmer un dîner, un spectacle, un truc à la Galerie des Glaces, etc. Et au fur et à mesure qu'on approche vers la fin du XXe siècle, le format des visites diplomatiques va se réduire, très souvent 36 heures, 48 heures, et donc on n'a plus le temps de faire ces allers-retours entre Paris et Versailles, et on se concentre essentiellement sur des travaux et des visites et des mondanités sur Paris. Voilà les aménagements pour le sommet du G7. Hein, donc vous voyez, la salle du sommet ici, c'est la salle du sacre, ici. Là, ici, c'est la salle des collations. Ici, c'est la salle à manger des chefs d'État et chefs de gouvernement. Ici, dans l'appartement du roi, la salle à manger des Sherpas. Là, la salle à manger des ministres des Affaires étrangères. Enfin, on a investi le château pour ce sommet. Au XXIe siècle, il y a quelques derniers usages officiels, à nouveau, pour des hôtes qu'on veut honorer. J'ai parlé de Vladimir Poutine en 1992,
l'une des premières choses qu'Emmanuel Macron fait en 2017, il vient à peine d'être élu, c'est de recevoir Vladimir Poutine. Alors il y a un vague prétexte culturel, c'était les 300 ans, l'anniversaire de la visite de Pierre le Grand en 1717, et qui a été le début d'instauration des relations diplomatiques entre la France et la Russie. Mais derrière ce prétexte culturel, c'est évidemment un geste éminemment politique de rouvrir les portes du château de Versailles pour Vladimir Poutine. De la même manière avec le président chinois et François Hollande, sachant que c'est la Chine qui a demandé expressément avoir droit à Versailles. Peut-on, et c'est une question que je pose, peut-on refuser ce type de demande à un partenaire aussi puissant et aussi important que la Chine? Dernier usage républicain, vivre à Versailles. De Gaulle, en 64, a déjà préparé le projet d'installation des chefs d'État étrangers à Trianon. Il dit, mais oui, mais je ne peux pas recevoir si je ne suis pas chez moi. Et donc, dans l'aile qu'on appelle Trianon sous bois, je vous remets le plan ici, donc ce petit bout d'aile ici au bout, on va aménager un appartement pour le président de la République, tout simplement. De Gaulle n'y logera pas. On y fait des travaux extrêmement importants, mais De Gaulle n'y logera pas et quasiment aucun ne va y loger. De Gaulle n'y loge pas, François Mitterrand, Georges Pompidou n'y loge pas. On envisage même de faire visiter le Grand Trianon et les installations du Grand Trianon à l'époque. François Mitterrand y loge 3 nuits au moment du sommet du G7. Et Jacques Chirac n'y vient jamais, il le remet même à l'établissement public du château de Versailles. Donc il n'y en a qu'un que je n'ai pas cité, et c'est Valéry Giscard d'Estaing. Alors Valéry Giscard d'Estaing lui aimait beaucoup Versailles, et lui, il y est venu, il y a même fêté ses 50 ans, ici dans le Salon des Jardins, donc en 1976, alors que les jardins étaient ouverts au public, il a organisé une petite fête familiale dans le Grand Trianon. L'autre lieu où les présidents de la République vivent et où la République vit, c'est le pavillon de la Lanterne. Le pavillon de la Lanterne est affecté au Premier ministre de 1959 à 2007. C'est un lieu très agréable. On est à l'autre bout du Grand Canal par rapport au Grand Trianon. Hein. Vous avez, moi je suis le château de Versailles, toute proportion gardée. Vous êtes le Grand Canal, le Grand Trianon est à ma droite, le pavillon de la Lanterne est à ma gauche. C'est un lieu très agréable, surtout à taille humaine. Les gens se sont beaucoup battus, notamment le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, Michel Debré, Jacques Chaban-Delmas, en 1959, pour savoir qui aurait la lanterne, et c'est finalement le Premier ministre qui l'a eu. C'est un lieu, pour le coup, très agréable. C'est d'autant plus agréable qu'il y en a un qui s'appelle Michel Rocard, qui a eu le bon goût et la bonne idée de faire construire une piscine et un terrain de tennis. Et au dire des occupants, il y a un avant et un après Rocard, sachant que la piscine, évidemment, a été construite vers 1989. On est dans la perspective du château de Versailles, un site ultra classé, monument historique, site, paysage, enfin, tout UNESCO, tout est protégé. On a quand même réussi à construire cela. Aucun fonctionnaire du ministère de la Culture n'a accepté de signer les autorisations de travaux. Et donc, c'est fait exceptionnel, le ministre de la Culture lui-même qui a signé les autorisations de travaux pour ce qui, dans la déclaration de travaux que j'ai vue, est un bassin de nage. Voilà. La lanterne aurait pu rester totalement inconnue. Jusqu'à ce que le président de la République, en 2007, ne décide finalement de se l'approprier. Je pense que s'il ne l'avait pas fait, ce serait resté sous les radars, on va dire, du grand public. Et en 2007, Nicolas Sarkozy a souhaité récupérer le pavillon de la Lanterne, et ni François Hollande ni Emmanuel Macron n'ont remis en cause ce choix, ce qui fait qu'aujourd'hui, le pavillon de la Lanterne est l'une des 3 résidences officielles du président de la République, dans l'enceinte du château de Versailles. Donc Versailles héberge le président.
Les autres sont évidemment le palais d'Élysée et le fort de Brégançon. On a vu là que la République donc, a pleinement investi le château de Versailles. Mais quelle perception on en a ? Quelle perception on en a eu ? Et au-delà de cet usage politique, il y a évidemment la perception par le grand public français et international de ce qu'est le château de Versailles. Et ce qui va vraiment tout changer aux yeux de l'opinion publique, c'est... la protection des œuvres pendant la Première Guerre mondiale, c'est évidemment le traité de Versailles de 1919. On est sur un événement évidemment très important dans l'histoire des guerres, et ça pourrait s'en servir sur la thématique, je regarde Dalila, guerre et paix, également au programme AGGSP. C'est un acte extrêmement fort sur ce qu'a été cette conférence de paix au niveau international. En termes de symbole pour le château de Versailles, ça l'a remis sur le devant d'une scène médiatique internationale, là où, avant, il n'était connu que, on va dire, d'un petit cercle de privilégiés. Alors, vous savez, hein, les négociations n'ont pas eu lieu au château de Versailles. La plupart des négociations ont lieu entre alliés. On n'a surtout pas associé les vaincus au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. La conférence, la remise des conditions de paix s'est déroulée non pas au château, mais dans un hôtel juste à côté, le Trianon Palace. Et en revanche, la signature du traité de paix donc, a eu lieu le jour anniversaire de la mort de l'archiduc d'Autriche, le 28 juin 1919. Donc, je vous ai mis quelques illustrations ici de tableaux, de photographies. Georges Clémenceau qui signe le traité. Et la foule, c'est un événement d'assez mauvais goût, au dire des contemporains. Il y avait beaucoup trop de monde. On a fait annuler le feu d'artifice pour montrer que ce n'était pas forcément un événement joyeux. Plus de 1000 personnes, les maréchaux n'étaient pas là, Joffre, Foch et Pétain. Donc la foule était un peu déçue, était très déçue. Voilà un autre tableau. Le symbole, vous savez que Clémenceau, mais ça apparaît en thématique guerre et paix à GGSP, je pense que c'est quelque chose qui est assez important à souligner. Clémenceau a tenu à ce qu'à l'entrée de la Galerie des Glaces, il y ait 5 mutilés qui soient positionnés au moment au passage de la délégation allemande, pour bien leur montrer « regardez ce que vous avez fait ». Évidemment, quand on connaît l'histoire, on sait que des mutilés, il y en a eu également du côté allemand. Mais il y a cette force, cette charge symbolique extrêmement forte dans la mise en scène de la signature du traité de paix. Alors ça a attiré beaucoup de monde, voilà, ils sont acclamés par la foule en délire. Et ne pas oublier évidemment le traité de Trianon en 1920, l'année d'après, avec la Hongrie. Ça c'est très important à nouveau dans la thématique guerre et paix, mais également dans la symbolique que peut représenter le château de Versailles au niveau international, parce que lorsque vous allez encore aujourd'hui en Hongrie, notamment avec la montée de certains nationalismes, et que vous évoquez le nom de Trianon est un nom qui est honni en Hongrie, parce que c'est ce traité qui a acté la fin de la puissante Hongrie. La Hongrie, je crois, a perdu 2/3 de son territoire, a perdu la plupart de ses minerais, de ses forces économiques. Et donc, Trianon est un moment extrêmement fort, et évidemment, dans le mauvais sens du terme, pour la Hongrie. Donc je le disais jusque-là, Versailles était connu, on va dire, de la riche société européenne et américaine. Au début du XXe siècle, Versailles a même servi de modèle à un certain nombre de résidences qu'on trouve, on va dire, sur la côte est des États-Unis, donc de riches milliardaires, les premiers milliardaires américains. Je vous en ai mis quelques-uns. Ici, vous avez Marble House, qui a été la résidence de Vanderbilt, les magnats de l'acier et du rail. Une autre maison Vanderbilt.
Rosscliffe, qui reprend, on va dire, l'économie un peu générale de Trianon, un petit peu surélevée. White Marsh Hall qui a été détruite, avec les jardins qui à nouveau s'inspirent de Versailles, et le pavillon français de la foire de Saint-Louis, ici de l'exposition de Saint-Louis, qui est également un pastiche du Grand Trianon. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Le symbole de, évidemment, de cette connaissance du château de Versailles, c'est la Société des Amis de Versailles, un lieu de mondanité aristocratique créé en 1907, qui, on va dire, jusque dans les années 1980, a été essentiellement un lieu, on va dire, d'influence un peu souterraine, avant d'être une réelle force d'accompagnement des projets de restauration et d'acquisition du château de Versailles. Alors, je le disais, hein, depuis 1837, Versailles est un endroit qui se visite, on continue à le visiter. Honnêtement, il n'y a pas fou. Hein. On pouvait visiter Versailles sans trop de difficultés. Il y a un changement quand même qui est majeur, et ça c'est sur le patrimoine de manière générale, c'est qu'en 1922, on va instaurer un droit de visite. Jusqu'en 1922, les visites du château de Versailles et de l'ensemble des musées et châteaux nationaux est gratuite. On peut visiter gratuitement le château de Versailles sous la conduite d'un gardien à qui on donne une pièce, et souvent les gardiens disent c'est payant, mais en fait c'est lui qui est payé. En réalité, il n'y a pas de droit de visite. En 1922, on crée un droit de visite, je ne vous donne pas les détails, mais avec tout un tas d'exceptions, le dimanche, le jeudi, pour les familles, etc. Mais le principe même de faire payer le visiteur, de faire payer le citoyen, de faire payer le contribuable qui paye pourtant déjà pour l'entretien du château, elle apparaît en 1922, après des débats extrêmement longs et extrêmement difficiles au Parlement. À Versailles, heureusement, cette décision de faire payer les visiteurs, parce que ça passe mal hein, dans certains musées, mais à Versailles ça va coïncider avec quelque chose. Alors voilà, je vous montre c'est des illustrations, vous voyez qu'il n'y a pas foule, il n'y a pas non plus beaucoup de meubles, on y reviendra, les grandes eaux au château de Versailles. Alors la cour du château, on la voit, enfin jusqu'à l'année dernière on la voyait quand même rarement comme ça. Ça va coïncider, hein, il me semblait que j'avais des photos, mais c'est plus loin, avec les travaux Rockefeller. Vous savez qu'en 1924, Rockefeller, le milliardaire américain, fait une première donation pour le château de Versailles, extrêmement forte, et qui fait que de 1924 à 1936, Versailles va être un chantier permanent. Ce sont des travaux structurels extrêmement lourds. Il fait refaire les façades, les toitures, les menuiseries, et donc on visite Versailles comme on visite un chantier. Mais, et du coup, les visiteurs qui payent leur droit d'entrée ont l'impression d'en avoir pour leur argent. Ah oui, bah, au moins c'est utilisé pour restaurer le château de Versailles. En réalité, c'est évidemment Rockefeller qui paye. Je vous ai mis ici une affiche de l'exposition du centenaire de la création du musée en 1937. Alors, je vous dis, en 1922, le tarif d'entrée était à 1 franc. Je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. En 1922, on était à 1 franc. En 1925, une augmentation de 100%. Donc, on passe à 2 francs. Et en 1937, on est à 5 francs, ici. Et 1937, c'est important parce que c'est la première année. Alors, l'avantage pour l'historien, c'est que le droit d'entrée, l'instauration du droit d'entrée en 1922 permet de comptabiliser les visites. Donc, avant, on ne sait pas trop combien il y avait de visiteurs. À partir de 1922, on a des données assez fiables, soit en termes de recettes, soit en termes de nombre d'entrées. Et 1937, c'est la première année où le public dépasse le million de visiteurs. Je passe assez rapidement sur l'évacuation des œuvres du château de Versailles en 1939-1940.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même Pétain a failli s'installer à Versailles, vous savez que le régime de Vichy a failli s'appeler le régime de Versailles, une villa avait été réservée à Versailles, on a pensé également au Grand Trianon déjà, mais Pétain a refusé de s'installer, et Versailles devait être déclarée zone libre par les Allemands, c'était en 1940, et Pétain, de peur de s'y sentir enfermé, a refusé de s'y installer. Je vous ai parlé du projet de réorganisation tout au début, hein, du musée dédié au gloire de l'histoire de France par Charles-Henri Chaubeaupré. Donc, dans la mesure où tout château a été vidé en 1939-1940, les collections étaient dans des châteaux un petit peu en province, le conservateur donc, a totalement réorganisé les collections. Et l'état qu'on voit aujourd'hui du musée d'histoire de France à Versailles, c'est l'état tel que conçu par Charles-Henri Chaubeaupré en 1942. Le nombre de visiteurs, évidemment, grandit après 1950. Il y a, en 1952, une opération de sauvegarde du château de Versailles. Versailles, à nouveau, est en très mauvais état. Et donc, pour la première fois, le gouvernement va faire appel à la générosité publique. Il y a un appel qui est passé à la radio par André Cornu en disant « Versailles, notre patrimoine national, s'effondre, on a besoin de vous ». Et donc, des collectes sont organisées, des kermesses, des spectacles au profit du château de Versailles. Pour la première fois, une sorte de loto du patrimoine apparaît en 1952 spécifiquement pour le château de Versailles. Ça a un succès fou. Il y a besoin de 5 milliards de francs à l'époque. Et les 5 milliards sont récoltés en moins de temps que ne le pensait le gouvernement. Dans ce même temps, c'est évidemment donc l'augmentation de l'intérêt pour le château de Versailles, et on voit évidemment l'augmentation du nombre de visiteurs. Aujourd'hui, Versailles, en année, on va dire, normale, on est à peu près, je crois, à 5 millions de visiteurs annuels. Alors cette masse de visiteurs pose des difficultés parce que jusque dans les années 80, on en veut toujours plus de visiteurs. Dans les années 70-90, on va même élaborer des stratégies pour qu'il y en ait plus. Je vous explique. En 85-86, à l'époque où Philippe de Villiers est secrétaire d'État à la culture, on l'a oublié, il y a une société qui propose au ministère quelque chose de très ingénieux. Vous savez que le circuit de visite... Est-ce que certains n'ont pas visité le château de Versailles? C'est possible, hein. Tout le monde l'a visité. Vous savez que le circuit de visite, à peu près au premier étage, quand on veut voir les grands appartements, on arrive, alors, tout au début, on arrivait par ce tout petit escalier ici. Maintenant, on arrive souvent par ce grand escalier. On fait les salles des peintures du XVIIe siècle. On fait le grand appartement du roi, la galerie des glaces. L'appartement de la reine, et selon s'il y a assez de gardiens, la galerie des batailles, et sinon on descend par l'escalier de la reine. Il y a une société qui imagine finalement de dire ben, on va faire deux circuits de visite. Comme ce sont ces pièces qui sont le plus attractives, on fait un circuit de visite grand appartement du roi, et un circuit de visite différent avec d'autres entrées, appartement de la reine. Et puis il y a la galerie des glaces. Donc on va la couper en deux. Donc comme ça, ceux qui visitent l'appartement du roi visitent la moitié de la galerie des glaces. Une fois qu'on a vu la moitié de la galerie des glaces, honnêtement, la deuxième moitié, c'est la même chose. Donc, pas la peine d'aller plus loin. Heureusement, ce sont des projets qui n'ont pas eu lieu. Aujourd'hui, la crise actuelle, qui est vécue de manière très lourde par le château de Versailles, le château de Versailles a perdu à peu près 80% de ses visiteurs depuis le mois de mars dernier. Hein, les touristes étrangers, et notamment asiatiques, ne sont pas revenus ni en France, ni à Versailles. Aujourd'hui, ça repose la question non seulement du modèle économique du patrimoine, et notamment de ce type de patrimoine, mais également du tout visiteur. Ça fait quelques années que, notamment, des associations de défense du patrimoine s'inquiètent, on va dire, d'une marchandisation de certains sites patrimoniaux et culturels, et du danger pour le monument,
que représente un trop-plein de visiteurs. Je ne sais pas si vous avez visité le château de Versailles dans ces conditions, mais il est certain que visiter la Galerie des Glaces ou visiter des petites pièces comme ici la Chambre de la Reine. La Chambre de la Reine est une petite pièce, si vous vous en souvenez. Et donc il y a très souvent, on va dire, une sorte d'attroupement dans le salon qui précède, parce que c'est une pièce extraordinaire, très, très forte, très chargée, très impressionnante, où du coup les gens s'arrêtent et on n'a pas la possibilité d'y entrer en masse. De la même manière, le premier salon du grand appartement du roi est une toute petite pièce, et ça fait des embouteillages. Visiter le château de Versailles n'est pas toujours, évidemment, très, très agréable, et du coup, qu'est-ce qu'on en retire ? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Parallèlement, évidemment, entretien du château de Versailles, les travaux du château de Versailles. Versailles, finalement, est un chantier perpétuel. J'ai parlé des travaux Rockefeller dans les années 1920-1930. Je vous donne ici quelques illustrations. Rockefeller est le premier milliardaire américain à subventionner Versailles, et de manière très importante. On voit ici lors de l'inauguration de ces travaux. Dans les années 1940, fin des années 40, eh bien, malgré les travaux Rockefeller, eh bien, il faut continuer ces travaux, d'où ce que je vous disais tout à l'heure, l'opération entre guillemets de sauvegarde du château de Versailles, qui fait appel à la générosité publique. Et puis à partir de 1960, les lois programmes sur le patrimoine. En 1962, première loi programme sur le patrimoine qui va désigner 7 monuments phares de la France pour bénéficier de subsides extrêmement importants. Et le château de Versailles est le monument qui bénéficie le plus en termes de moyens de cette loi programme de 1962, les 6 autres établissements étant, que je ne me trompe pas, le Louvre, les Invalides, Fontainebleau, Chambord, Vincennes et la cathédrale de Reims. Alors pourquoi Versailles est très favorisé en 1962 ? Il ne faut pas non plus voiler la face. Pourquoi ? Oui ? J'ai entendu une petite voix. Eh bien, pour le Grand Trianon, il faut bien subventionner les aménagements voulus pour les chefs d'État. Ce qui n'était pas prévu initialement, c'est que ces chantiers de la loi programme doivent servir, ce n'était pas du tout prévu, pour les aménagements, de décoration. Et en réalité, ça a évidemment été le cas. En 1978, une autre loi programme, il y en a une autre en 1967, mais c'est surtout la troisième de 1978, où là, Versailles est le deuxième établissement à bénéficier de crédits de dotation. Alors là, j'ai les sommes, pour le coup, 89 millions de francs en crédits de dotation pour les aménagements muséographiques. Donc c'est le cas notamment de la chambre du roi, que vous voyez en haut à gauche, et 91 millions de francs, donc c'est-à-dire à peu près en tout 180 millions de francs, pour les travaux d'architecture. Dernier élément, et là pareil je n'entre pas dans le détail, le remeublement. Tout au long du XXe siècle, et notamment à partir des années 1930, on va tâcher le plus possible de revenir à un état originel du château de Versailles. Il ne faut pas oublier que le château de Versailles, jusque dans les années 30, est un château relativement vide. Et on a mis, ça et là, quelques meubles qu'on a pu récupérer. Mais à partir des années 1930, va s'opérer un travail scientifique très important pour retrouver l'état originel dans lequel se trouvaient les pièces du château de Versailles. Avec un vrai débat. C'est quoi l'état originel du château de Versailles ? Est-ce que c'est l'état Louis XIV ? Est-ce que c'est l'état Louis XV ? Est-ce que c'est l'état Louis XVI ? Et c'est ce que je disais tout au début, ça fera la boucle. Le château de Versailles n'apparaît pas sous son état Louis XIV.
Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que Louis XV y a mis ses meubles à lui, que Louis XVI, qui est arrivé après, a bazardé le mobilier de son père, etc. etc. C'est une succession, Versailles. Et les meubles, le mobilier que Louis XIV avait à Versailles n'existent pas ou plus beaucoup. En revanche, on a notamment au Mobilier National, on avait dans les musées, etc., quelques pièces des règnes de Louis XVI, et, enfin Louis XV et surtout Louis XVI. Autre exemple, la chambre de la reine que vous avez maintenant. Alors, on voit le serre-bijou ici, qui apparaît déjà au début du XXe siècle et qui est toujours présent. Alors, toujours pour ces visites, il y a un dernier aménagement qu'on a fait dans l'aile Gabriel, donc à droite, hein, vous vous souvenez. C'est cet escalier tout neuf. C'est un escalier qui date de 1985. Cet escalier donc était prévu depuis très longtemps. Je crois qu'il y a un plan pas très loin. Voilà. On est ici, donc dans l'aile Gabriel. Jusqu'en 1985, cet espace reste totalement vide. Gabriel, dans les années 1770, avait prévu d'y faire un escalier un peu d'apparat qui devait remplacer l'escalier des ambassadeurs situé à peu près ici, mais qui avait été détruit quelques années plus tôt. Et ce qui fait que, jusqu'en 1985, pour les visites, soit on a ce grand escalier qui est ici, soit on a ce tout petit escalier en colimaçon que vous avez peut-être pris, moi je me souviens enfant, avoir pris ce petit escalier en colimaçon à côté de la chapelle, mais qui n'est franchement pas pratique pour visiter un château de cette ampleur, et a fortiori quand on dépasse les 2-3 millions de visiteurs annuels, et parfois 30 000 à 35 000 visiteurs par jour. Donc, en 1985, on a décidé donc d'aménager cet espace vide selon les plans prévus par l'architecte Gabriel. Dernier élément, les jardins, avec évidemment la nécessaire replantation du parc de Versailles suite aux deux tempêtes de 90 et 99. Donc, je vous le disais, Versailles est un chantier perpétuel. Depuis quelques années, il y a un schéma directeur avec de grands projets d'aménagement du château. Pour ceux qui ont visité Versailles dans les années 2010, vous êtes peut-être entré par cette entrée provisoire avec le réaménagement donc, de l'aile du pavillon Dufour, ici. Donc ça, ce sont des chantiers de l'aile du pavillon Dufour. Et puis, des débats patrimoniaux. Je vous disais, c'est quoi l'état originel de Versailles? Il y a un exemple, un symbole, qui est celui de la grille royale, qui a été restituée dans les années 2000, par l'architecte du château Frédéric Didier. L'idée était de retrouver cet état, donc on est dans un état fantasmé, Louis XIV, avec cette première grille, elle qui existe depuis toujours, mais cette grille ici, qui avait été supprimée dans les années 1770, au moment de la construction de ce pavillon. Et pour revenir à un état supposé ancien régime, on a reconstitué cette grille au début des années 2000. Mais, comme je le disais, le pavillon Gabriel, l'aile Gabriel construite en 1770 et son pendant, l'aile du four dans les années 1820, n'ont jamais connu de grille. Donc on a recréé un état qui en réalité n'a jamais existé. Mais dans l'imaginaire global, à l'époque de Louis XIV, il y avait une grille. Donc on remet une grille. Vous voyez la difficulté de retrouver un état originel et de satisfaire ou non ce qu'on attend de Versailles. Est-ce que c'est le Versailles de Louis XIV, de Marie-Antoinette, ou est-ce que c'est un Versailles évolutif tout au long de ces trois siècles? Je termine par cela, parce que c'est un symbole assez important, justement, d'une histoire assez longue. Versailles dans l'imaginaire, notre imaginaire, celui des enfants, de nos élèves, des étrangers qui viennent, c'est un Versailles monarchique, relativement immuable, où il n'y a eu finalement qu'une vie et un symbole de monarchie absolue. Je pense que quand vous étiez élève, et peut-être quand vous étiez enseignant en collège, on a pris comme exemple
le château de Versailles comme symbole de la monarchie absolue, d'un projet politique, ce qu'il a réellement été. En réalité, cette période dure quoi ? Un siècle ? De 1682, un petit peu avant, jusqu'à 1789, on va dire 100 à 150 ans. Mais depuis plus de 200 ans aujourd'hui, presque 250 ans, on est sur un Versailles qui a continué à vivre, qui au contraire ne s'est pas arrêté de manière immuable au moment de la Révolution française, mais qui a été un outil politique, un lieu patrimonial et culturel, un musée, et les deux faisant évidemment une histoire qui est toujours en perpétuel mouvement. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires Ah, ça revient plus. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise. N'hésitez pas. Oui. Alors, moi, c'est vraiment ma curiosité. Est-ce que vous savez si les panneaux qui ont été démontés au Grand Trianon ont été conservés par... c'est juste de la curiosité, je disais, est-ce que vous savez si les panneaux démontés par Marc Sacté au Grand Trianon ont été conservés voilà, par des ébénistes, des restaurateurs? Ce qui a été démonté le plus possible a été réinstallé quand c'était possible. Après, je ne sais pas si vous habitez une maison ancienne ou une maison moderne, mais si vous habitez une maison ancienne, vous savez très bien que si vous voulez faire passer des câbles, des canalisations, d'évacuation ou d'alimentation en eau, d'électricité, etc., eh bien, par exemple, vous avez des problèmes d'espacement entre la boiserie et la maçonnerie. Et donc, il y a eu énormément de dégâts, objectivement, qui ont été réalisés. Le gros a pu être, heureusement, réaménagé, mais c'est la même. Pareil sur les parquets, par exemple, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont été remplacés. Voilà. D'autres questions ? N'hésitez pas, hein. Je ne mords pas. Oui, formidable. Je m'interrogeais en quoi ce musée d'histoire de France, visiblement, il date de 42 et c'est le même aujourd'hui. Il n'y aurait pas un projet de rénovation, de nouvelle collection, de réorganisation muséographique ? Alors, quand je dis que le musée de l'histoire de France est celui de 1942, je parle en termes d'organisation globale du circuit. C'est-à-dire avec, par exemple, ici, vous avez au rez-de-chaussée les salles au premier étage les salles du XVIIe siècle. Le XVIIIe siècle est essentiellement représenté par les grands appartements ici. Et vous avez à partir d'ici, notamment au rez-de-chaussée de l'aile du Midi, les salles d'Empire, etc. On peut faire une sorte de circuit chronologique de l'histoire de France. Après, évidemment, depuis 1942, il y a eu non seulement des restaurations de ces pièces, les salles du 17e, par exemple, ont été entièrement refaites dans les années 1970, ainsi que les salles Empire en 1978. Il y a eu d'ailleurs, je n'ai pas évoqué, mais en termes de symbole politique, c'est assez fort, il y a eu un attentat au château de Versailles en 1978, juste après l'inauguration des travaux dans les salles de l'Empire, donc qui présentent l'histoire de l'Empire avec les tableaux. Ces salles ont été inaugurées en 1978 par le président Giscard d'Estaing, et quelques jours après, il y a eu une bombe posée pile devant ces pièces, dont certaines ont été complètement détruites. C'était un attentat breton, des autonomistes bretons. Il n'y a pas de breton dans la salle. Je ne dis pas ça, je fais juste de l'histoire. Hein, c'est un constat. Donc, il y a évidemment, on a retravaillé sur la muséographie, etc. Mais le parcours, l'organisation générale des visites, l'emplacement des salles 17e, 18e, 19e, est resté grosso modo le même depuis 1942. En termes d'enrichissement des collections, il est certain, alors, bon, c'est un sujet dans tous les musées hein, et dans tous les lieux patrimoniaux, que les crédits ne permettent pas d'acheter tout ce qu'on voit passer. Et il est certain, en tout cas c'est mon sentiment, que
depuis une quarantaine d'années, les acquisitions se font quand même beaucoup plus au profit de l'histoire du château que du musée de l'histoire de France. Je donne un exemple. Si on voit passer un tableau magnifique qui représente, Napoléon III, Napoléon III, c'est l'histoire de France, c'est l'histoire du 19e, etc. C'est pas forcément le château de Versailles qui va l'acquérir. Le château de Versailles va concentrer ses acquisitions sur ce qui fait, et on en revient à l'image qu'on a du château de Versailles, qui fait son cœur de symbolique, l'histoire de la monarchie des 17e et 18e siècles. Moi, j'avais une question. Déjà, je tenais à vous remercier de cet exposé qui était très riche, très clair, qui nous a apporté beaucoup d'éclaircissements sur la question. Vous avez évoqué les différents usages du château de Versailles, notamment en tant que capitale de la Troisième République, donc entre 1871 et 1879, également comme lieu de l'élection du président de la République jusqu'en 1953. Vous avez évoqué aussi l'usage du château de Versailles au service de la diplomatie française, avec l'exemple notamment de l'accueil des chefs d'État étrangers, comme en 1961, très bien vu tout à l'heure, la famille Kennedy. Et donc, je me questionnais sur les leviers qui permettent de préserver, de transmettre ce patrimoine à l'heure actuelle. Donc, quels peuvent être ces leviers au XXIe siècle? Donc sur l'usage républicain, comment on peut... Oui. Alors, c'est une vraie question qui interroge. Je vous ai montré des photographies de Emmanuel Macron qui reçoit Vladimir Poutine. Une telle réception est très contraignante en termes de visite. Je vous dis, aujourd'hui, on est à plus de 5 millions de visiteurs. Et donc, peut-on aujourd'hui, dans une... à une époque où on a une consommation patrimoniale, une consommation culturelle, touristique, je parle hors période Covid, mais où il y a une demande culturelle de Versailles, comment est-ce qu'on peut maintenir cela? C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, à partir de 1982, finalement, ça a commencé à baisser ses usages, tout simplement parce qu'on n'a pas la place, on n'a pas le temps d'accueillir ces chefs d'État. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je constate depuis une dizaine d'années, j'ai terminé ma thèse à l'École des Chartes il y a 16 ou 17 ans maintenant, mais depuis, je vois qu'on ouvre les portes de Versailles que pour des circonstances vraiment exceptionnelles ou symboliques. Je ne vois pas qu'on puisse revenir à ce système des années 70 avec le dîner dans la Galerie des Glaces, le spectacle à l'opéra, un petit concert dans la chapelle. En 78, je crois, le président, je crois que c'est Carter, est invité par Giscard d'Estaing. Il y a une réception de 4000 personnes au château de Versailles, avec Johnny Hallyday, qui est invité. Bon. Aujourd'hui, je pense que ça n'est plus possible. Et techniquement, socialement, médiatiquement, c'est quelque chose qui passerait beaucoup, beaucoup moins bien. Depuis quelques années, on réserve ces visites. Vous imaginez le groupe de touristes japonais qui réserve 6 mois à l'avance son voyage en Europe et à qui on dit du jour au lendemain, « Ben non, au fait, vous aviez réservé Versailles, ben, ce ne sera pas possible. » Versailles ne se prête pas à cela. D'autres lieux, peut-être, pourraient le faire, pourraient avoir cette double vie. Je pense au château de Fontainebleau, qui est un château, je ne sais pas si vous l'avez visité, mais qui est beaucoup plus étendu que le château de Versailles, en termes de surface, et qui a des parties beaucoup plus cloisonnables. Et donc, on pourrait, à Fontainebleau, je pense, organiser ce genre de choses. Il y a beaucoup moins de visiteurs aussi qu'à Versailles. Versailles, honnêtement, ça n'est plus possible. Après, il y a peut-être une deuxième partie dans votre question qui est en termes de mémoire de ce qui s'est passé en termes républicains. Est-ce qu'on peut le conserver à Versailles? Il y a eu... Alors, c'est une question qui m'a été posée il y a quelques jours, je crois, à Clermont-Ferrand. Et quelqu'un se souvenait, à juste titre, qu'il y a eu, en 1995, l'ouverture d'un musée
mais qui est situé ici à peu près, d'un musée du Parlement. C'est l'Assemblée nationale qui donc disposait encore de ses locaux, qui a ouvert un musée de l'histoire du Parlement dans le château de Versailles. Il a duré quoi, 5-6 ans ce musée. Moi je l'ai visité, c'était très intéressant d'ailleurs. On pouvait à l'époque visiter du coup la salle du congrès. Bon. En même temps, je crois que ça a sonné le glas de la présence de l'Assemblée nationale dans les locaux de Versailles, parce que si l'Assemblée nationale ouvre un musée dans ses locaux, c'est qu'elle n'a clairement pas besoin de ses locaux. Si elle remplace des salles de réunion, des bureaux par un musée, c'est que c'est pas un usage, on va dire, prioritaire. Mais il y a eu en tout cas ce premier essai, et qui concernait vraiment, alors c'était l'histoire du Parlement de manière générale, et pas uniquement du Parlement à Versailles, mais du coup on en parlait avec la salle du Congrès. Le Grand Trianon et notamment l'aile de Trianon sous bois, et les aménagements du général de Gaulle ont été restaurés ces dernières années, et se visitent quand il y a des gardiens. À nouveau, hein, le problème des visites sur un aussi grand site, c'est qu'il faut avoir des gardiens pour ouvrir les portes et pour surveiller. Donc, il y a cette petite partie à Trianon qui pourrait, le cas échéant, être amplifiée en visitant notamment les logements des chefs d'État étrangers, etc. On peut le faire. Après, objectivement, est-ce que c'est le souhait des visiteurs? Est-ce que les 5 millions de visiteurs qui viennent pour voir l'appartement du général de Gaulle au Grand Trianon ou pour voir la chambre du roi. Le temps de visite à Versailles est restreint, c'est 2 heures hein, en moyenne, parfois moins quand on est sur des tours opérateurs. Donc on vient, je le redis, pour Louis XIV, pour Marie-Antoinette, pour l'opéra quand il est ouvert ou la Galerie des Glaces, mais pas forcément pour le reste. Versailles, face à l'afflux de visiteurs, a essayé de diversifier les visites. Et notamment, ces dernières années, au rez-de-chaussée, a mis le paquet de manière assez forte sur les appartements du dauphin et de la dauphine, ici, qui sont absolument magnifiques. Et l'appartement du dauphin, je crois, va être restauré dans les semaines qui viennent. Et les appartements de mesdames, donc les filles de Louis XV, au rez-de-chaussée de l'autre côté. Et donc tout ça est ouvert, etc. Le public y va, mais vous n'avez pas la foule qui va dans le grand appartement du roi et de la reine. Parce que là, on veut voir ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus prestigieux. Donc, on pourrait le faire. C'est un petit peu fait, donc, je vous dis, côté un peu dans les salles du 19e siècle, on parle un peu de la République de manière générale. Lorsqu'il y a des visites thématiques guidées sur le congrès du Parlement, un petit peu au Grand Trianon, mais c'est assez difficile. Peut-être que d'autres lieux s'y prêteraient plus. Je pense au château de Rambouillet. Le château de Rambouillet a été la résidence d'été de tous les présidents de la République, de la 3e et de la 4e République. Rambouillet a accueilli des sommets internationaux. Le premier sommet du G7, à l'époque il n'était que 6, en 1975, c'est au château de Rambouillet. On a aménagé un logement pour les chefs d'État étrangers, dans un style années 50, douteux, mais il existe... donc dans la grosse tour François 1er, etc. Rambouillet s'y prêterait peut-être un petit peu mieux, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Excusez-moi, qui administre Versailles? Comment ça marche? Alors, excellente question. J'en ai pas du tout parlé. Depuis 1995, le château de Versailles est un établissement public administratif. Ce qui fait qu'il y a une autonomie financière et juridique du château. Il relève du ministère de la Culture. Et, mais en revanche, il est censé, je dis bien censé, s'autofinancer. C'est pour ça que la crise actuelle du Covid est catastrophique pour un établissement public comme celui-là, parce que toutes les recettes qui normalement contribuent à son budget eh bien, n'entrent plus. Et donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc c'est un établissement public dirigé par un président d'établissement public qui, depuis la création, est un politique extrêmement haut placé. L'actuelle présidente est Catherine Pégard, qui était la conseillère du président de la République, Nicolas Sarkozy. Elle a succédé à Jean-Jacques Ayagon, qui lui-même était ancien ministre, et qui lui-même avait succédé à Christine Albanel, elle-même ancienne conseillère de Jacques Chirac. Vous voyez, c'est devenu un poste politique.
Nous allons clore hein, cette conférence en remerciant très chaleureusement M. Opperman. Merci à vous pour votre attention.